l'ai pas vu celui-là. Pas de Radula dans le premier chapitre, ouais. Ouais, non, c'est écrit. Le petit souvenir. Vous êtes attentif, hein. Je sais que vous m'avez comprise, petite capricieuse. Utilisez le bassin et laissez cet affreux lapin. Mais laisse le lapin tranquille. On a combien là? On est à 7 sur 14, 14 sur 26, 8 sur 18. Ouais, donc on n'est pas. Et encore, je pense qu'on a la tête loupée. Je crois que c'est environ. Environ, hein. C'est pour ça aussi que je vous disais, on fera peut-être un chapitre par live, faut voir. Il me semble que c'est environ 3 heures par chapitre. Peut-être un peu plus. Te souviens-tu des groins invisibles? Là, comme ça, non. Bah là, j'en entends. Des groins invisibles, tu dis? Déjà, il y en a un là. Ah si, ça me dit quelque chose, les groins. Je sais plus. Ah déjà, il y en a qui peuvent voler, c'est vrai. Ça reviendra petit à petit. Hein. C'est vrai qu'il y a... En vrai, vous imaginez si on récupérait pas tout ça, là, les groins et tout, tout ce qu'on louperait? Ça dépend de ta rapidité aussi. Ouais, moi, j'y vais tranquille. J'y vais tranquillou. On avait l'intro et tout, là, aussi. Alice était souvent seule, une enfant froide et réservée, je présume. Sa grande sœur, bien que très appréciée, n'était plus en âge de jouer. C'est au prochain chapitre, ouais, je pense. Ça vient progressivement, les... tout vient progressivement. Ça qui est bien fait dans ce jeu, c'est que c'est pas... Je sais pas, je trouve ça... Je trouve ça propre, en vrai. Pour trouver le jeu où. Moi, je l'ai sur Steam. Oh, cette grande salle. Oh, cette grande salle. Ah oui, je me rappelle très bien. Je me rappelle très bien de cette grande salle. On va pas se prendre un nouveau type d'ennemi, voilà. Aïe, 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 aïe. Le pommirette. Comment on l'a, lui, déjà? Ah, faut juste lui tirer dessus, comme ça. Il me semblait qu'on peut... Mais c'est après... Ah non, la théière, c'est après. Ah, mais c'est peut-être là, la théière, d'ailleurs, non? Je sais plus. Il faut lui péter ses yeux. C'est pas là, la théière? Oh là là, la rivière un peu sanglante et tout, là. Bon, déjà, faut en faire d'autres. Théière, c'est... Ah oui, d'accord, ok, c'est putain. C'est le parapluie. Alors, je me rappelle même plus du délire du parapluie, donc ça veut dire... Parapluie. Ah si, oui, le parapluie, oui, tu renvoies les trucs, ouais. Ok. Ah, attendez. On va essayer de se débarrasser de lui. Ah, y'a par contre. Vas-y, viens. Parce que je me fais attaquer de l'autre côté, moi. Attention, je suis en train de me faire tirer dessus de l'autre côté. Ok, ça c'est fait. Bon, par contre, ça donne beaucoup. Qu'est-ce qui... Ah oui, c'est elle, là, qui tire. Deux secondes. Attends, il n'y a pas des groins, des machins. Bon, on fouillera la salle après, attendez. Déjà, essayer de se débarrasser de tout le monde. Ok, vas-y. Active. Hop. Oh, attention. Oula, il y en a deux. Il y a du mob quand même. Attention, on va se débarrasser de lui. Vas-y. Ok, lui c'est fait. Des dégâts. Bon, on va se débarrasser de lui. Ce qui est bien, c'est les trucs qui sont pas dans le vide ou quoi non plus, ça c'est bien. Là on est face à un premier vrai gros combat un peu là quand même. Ce que dit le psy est assez glauque. Que veut-il dire par sa sœur n'est plus en âge de jouer? Écoutez. Faites vos propres interprétations. Hein?
Faites vos interprétations. Ce jeu est glauque de manière globale, donc bon. Voilà. Oh, je peux pas aller derrière là? On dirait qu'il y a un truc pourtant. Alors attends, parce qu'il y a... Je viens de regarder le record de speedrun de ce jeu, c'est 1h42, putain. Ouais, bon. Pas trop notre objectif. Ah, attendez, est-ce qu'ici il y a un groin 100%? Je sais plus où, mais il y en a un. Je pense. Là, c'est pour la valve. Ah ouais, il n'y a pas de groin ici? Ou autre chose d'ailleurs. Vous allez me dire que dans cette grande salle, il n'y a rien. Ah, peut-être alors. Moi qui délire, mais j'étais persuadé qu'il y avait un truc. Étonnant. Pour le coup, c'est assez étonnant qu'il n'y ait rien. Je regarde, mais... Non, bah non, on dirait pas. On dirait pas. Oh! Pressé par le temps, trouve-le, ou tu en seras à court. En fait, je sais pas pourquoi si je fais comme ça. C'est à l'époque, j'avais pas la cam. Et du coup, comme j'avais pas la cam, j'avais pas les éclairages. Et donc, en fait, c'est con, mais vu que maintenant j'ai les éclairages, ça me fait un espèce de contre-jour. Et donc, dès que c'est un peu sombre comme ça, je suis en mode oh, on voit rien. Alors qu'en fait, vous voyez peut-être, je sais pas, parce que vous avez pas les éclairages dans la gueule. Et donc, le fait de faire comme ça, c'est plus clair. Donc, j'y vois mieux. Donc, en fait, je m'en sers pas pour voir s'il y a un truc absolument, mais juste pour y voir, en fait. Je m'en sers juste de lampe torche. Tu vois? Je sais que je jouais pas comme ça à l'époque. Ça se barre pas. Ok, yeah, super. C'est plus clair pour nous aussi. Bah, ouais. Oh putain, ça revient. Pas possible. Luminosité augmentée peut-être. On peut. Est-ce que c'est pas mieux? Alors on a perdu un peu de contraste. Mais au moins on y voit mieux quoi. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah merde, je suis bloqué encore. Ouais, je trouve. Ouais, allez, laissons comme ça. C'est un poil gris et encore. C'est parce qu'on vient de voir le contraste, on va plus le sentir dans... Dans 2 secondes, on le voit même plus. Ok. Let's go. Ok. Merci Matt QTE, merci beaucoup. Merci, bienvenue. Là, c'est très steampunk, on a changé d'ambiance. Hein. Quelle année le jeu? 2011. 2011. Yep. Attends, il y avait un interrupteur là, non? Oui. Ok. Attends une seconde. Ouais, papa, tu me la feras pas. Ah mais c'était peut-être là le... Ah non, là c'est pour un truc... Ok, là c'est pour un truc spécial. En vrai, t'as même pas forcément besoin des trucs, tu vois où tu dois aller à cause du... Ok. Y a-t-il autre chose ? J'en ai pas l'impression.
Tu l'avais fait sur ton ancienne chaîne à l'époque. Les deux, on l'a fait en 2011 sur l'ancienne chaîne, et puis ensuite, à cause du hack, quand je suis arrivé sur la chaîne que vous connaissez tous actuellement en 2012, bah on l'avait refait. On l'avait refait comme tous les let's play que j'avais fait d'ailleurs, que j'avais perdu. Hop. Wouh ! Ça passe. Voilà, après 15 minutes à essayer de me connecter, j'ai réussi. C'est mon premier abonnement. Merci beaucoup, c'est trop gentil, merci beaucoup. T'as passé 15 minutes à faire ça, c'est super gentil, merci beaucoup, vraiment. Ouais, on est où là? On est revenu, oui, on est revenu, ok. On est revenu. Ouais, c'est Alice. Oh, attention. Ouh, changement de zone. Changement de zone. C'est parti. Hop. Le chronobombe. Certains murs et planchers sont assez fragiles pour être détruits. Place une chronobombe à proximité d'une surface. C'est vraiment un Zelda-like. Déclenche la chronobombe pour détruire la surface fragile. Je pense qu'il y a de l'inspiration, de toute façon. Hein. B pour placer une chronobombe, c'est vrai. La chronobombe. Et après, puis sur B pour déclencher. Ça ressemble aussi à... Mais du coup, c'est lui, du coup, maintenant, ça fait écho... Ça ressemble aux bombes de Breath of the Wild que tu peux péter quand tu veux, quoi. Mais là, pour le coup, c'est plutôt Breath of the Wild qui fait penser, quoi, que lui. C'est drôle. Souvenir, j'ai le tout début de ta chaîne. Ah bah ouais, hein. Il y a un truc là-haut. Non, ouais, voilà, merci, vite de péter. Ok. Alors. Je crois qu'on a un peu moins de trucs là. C'est pas le jeu que t'avais fait au Micron. Si, aussi. Aussi, aussi. Non, vous avez bonne mémoire, hein. Hop. Non! Je suis sûr, je m'étais déjà fait avoir comme ça à l'époque. Oh, on va pas tarder à arriver à. La porte. Je crois. Je t'en ai parlé à La Rochelle avec ma copine, je t'avais connu sur ça, notamment le pont où tu étais arrêté la première fois. Tu m'as dit que t'allais le refaire, et te voilà aujourd'hui dessus. Et La Rochelle, c'était quand? C'était en septembre. Donc, tu vois, on n'a pas mis trop de temps derrière, j'avais 11 ans, aujourd'hui j'en ai 20, grosse nostalgie. Yeah. Ah, je loupe des trucs là. J'ai été ici. Il dit qu'il y a un souvenir, il est où le souvenir? The fuck? Ah mais oui. Y a pas un endroit à faire péter? Attends. Trop bizarre là, là il y a un truc 100%. Le jeu me le dit, il te dit regarde là. Tu places une... Ah non, j'ai déjà placé ma chronobombe. Ah non mais je l'ai peut-être déjà pris en fait, non? Je suis perdu. Oui mais en fait je l'ai déjà pris je crois. Non, je l'ai déjà pris. Le souvenir est... Ah non, le souvenir est plus loin. La porte elle est pas loin. Ah la porte! Donc ça c'est un truc, si jamais vous connaissez pas, dans chaque chapitre il y a la porte. Qui est généralement vers le milieu, fin du chapitre. Et il se passe toujours un truc de ouf avec les portes. Voilà. Disons-le. Alors, non, on voit clairement qu'il y a un trou de serrure, donc il faut que je trouve le trou de serrure. J'ai connu avec Breath of the Wild, je me sens jette pas. Mine de rien, maintenant ça va faire 5 ans. Donc plus trop. Nous allons mais tous mourir dans par rapport, on va dire, à l'ancienneté de la chaîne, dévorante de c'est ton plus jeune. Père pour les journaux. Mais ça va maintenant. Tout ça cet va. Amoncellement hautement inflammable n'a besoin que d'une simple étincelle. Et pouf, nous ne sommes plus que fumée et cendre. C'était encore à l'époque, c'était avant le burn-out, c'était avant tous les changements qu'il y a eu et tout. Donc c'était encore là, pour certains, entre guillemets, la grande époque, comme ils disent. Il y a des gens, des fois, ils me disent, ah ouais, mais... depuis ton retour, c'est différent et tout. Normal, tu vois. Mais les gens, ils sont en mode... ouais, il y a eu une bascule, machin. Attention, la porte.
Et généralement, il y a des souvenirs dans les portes. Bibliothèque était un piège. Des gros souvenirs importants. Un grand incendie prêt à se répandre. Voilà, bon, pour l'instant, pas grand-chose, pour l'instant. Mais vous voyez, petit à petit, là, on en a une. Petit à petit, à la fin, c'est grâce aux portes qu'on a les révélations. Et là, du coup, généralement, derrière, il y a une zone de gros combat, je crois. Ah oui, bonjour. Salut. Et puis le jeu peut devenir hystérique lorsqu'elle se sent faible. Oh, c'est vrai. Regardez, ils me mettent exprès, appuyé sur LS. Bah, j'appuie. Attendez, j'ai un problème. C'est quoi LS? C'est le joystick normalement? Ça veut pas? Peut-être parce que je l'ai fait trop tard, attendez. Tapez-moi. C'est bon. Boum! Et là, t'es ultra puissant. Ah, quel plaisir. Tu débloques les trucs petit à petit comme ça. Bon, par contre, le jeu te met exprès un niqueur pour te faire tester ça. C'est drôle. Voilà. Autant utiliser les bombes. Hein. Alors. Il y a des trucs là. Est-ce que là je peux ouvrir? Il y a des trucs que je loupe, c'est obligé. Ça me frustre. J'adore le jeu. Et bien sûr, il est incroyable. Attendez 2 secondes. Juste 2 secondes. Hop. Voilà. Je viens d'arriver, trop contente que tu refasses ce jeu, il est trop bien. Merci beaucoup. Passe en mode visé en appuyant sur T. En appuyant sur T, appuie sur RS pour passer en mode visé. RS. Ah mais c'est comme ça pour viser avec le groin. C'est vrai que moi je tirais direct de base avec le groin, c'était bizarre mais... Ouais, avec les dents on peut améliorer les armes, ouais. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu de groin, ça m'étonne. Ça m'étonne, va. Oh god! Non. Réveil? Non. Cauchemar? Non. Mauvais rêve? Bonne nuit! Chapelier, je vous ai laissé en mauvaise posture. Oui, hein, quoi? Mais pas assez. Donc ça, c'est dans le 1, c'est le bas. Qu'est-il arrivé à votre chapeau et à vos autres membres? Perdu, tu vois, mais ne les regrettons pas. Regrettons plutôt leur perte. Pour ce qui arrive, tu dois mieux savoir. Ah, il est tordu le jeu. Chacun sa place après tout et tout ira bien. Savez-vous au moins quelle est votre place et comment y rester? Maintenant, que se passe-t-il? Voilà ce qui se passe. Tout autour, en haut, en bas, dans l'oreille, dans les yeux, et par les narines, par le crozier, jusque dans les boyaux. Mon père était passionné par les trains, ce qui n'est pas mon cas. Tu n'aimeras pas ça. Oh, les trains, c'est bon, je les enchaîne. La tortue était toujours chargée de ses voix. Ce n'est qu'un désastre sanglant, à la puanteur infecte, aux phares aveuglants, aux sons infernal. Ah, bien, j'y suis. N'en rajoutez pas. Train sauvage. Le monde est sur la tête, Alice. Les fous dirigent l'Asie. Tu le sais. Et le plus dur, je n'ai plus de thé. Oh. Atroce. Si je vous aide, vous m'aiderez en retour. Croix de bois, croix de fer. Trouve mes membres et mets-les dans le trou. Les machines feront le reste. Suis ton chemin, va, gentille fille. Tu peux repartir par l'horloge. Très bien, donc il va falloir aider le chapelier. Allez, et donc oui, ça c'est un peu la... Comment dire, la mission de ce chapitre là où il va falloir l'aider et tout, il va falloir aller dans différentes zones, revenir ici.
là on va ouvrir ici. Ok, on a une bouteille. Les interrupteurs ne fonctionnent que sous le poids de la menace. Dépose une chronobombe sur un interrupteur pour en faire un allié de poids. Oui, t'inquiète pas. J'aime bien comment ils expliquent les trucs. Que sous le poids de la menace. Ça me bute. La première fois que j'ai entendu parler du jeu, c'est quelqu'un sur Discord, je n'arrive pas à retrouver. Ah. Attends. Du coup, pour sortir, c'est... Tu fais hop. Et là, voilà, ça fait revenir. Le jeu arrive à me provoquer un stress et en même temps, j'ai envie de le voir la suite. Mais en fait, il a un... Il a un côté un peu pas stressant, mais... Voilà, la bombe a pété. Je trouve qu'il a un côté addictif, ce jeu. Et là, je crois qu'on va avoir un point de vue de malade encore. Il me semble. Ouais, il est jouable sur PC, bien sûr. Ce sera pas un point de vue de malade. Si... Il va falloir qu'on aille dans différentes zones. Hein. Ah, voilà, il nous reste ces trois zones à faire avant la fin du chapitre. Donc on est encore loin, quand même. Hein. Oh, l'ombrelle, elle est là! On s'en va un petit film de Tim Burton. Mais vous êtes... Ça m'étonne que vous soyez aussi nombreux à pas connaître le jeu, par contre. Parce que c'est quand même un jeu... qui avait beaucoup fait parler de lui à l'époque. Qui est ultra connoté chez moi, quand même. Qui est ultra identifié à moi, à l'époque. Donc, si vous me suivez, je pensais que vous connaissiez. Au final, vous êtes beaucoup à pas connaître. Ok, donc... Comment je fais ça déjà? Oh, le premier gros boss! Par contre, on entend l'autre parler là. Utilise l'ombrelle. C'est. Oui, alors attends. Comment je. Attends. Parce qu'il m'a dit appuie sur E, mais utilise l'ombrelle. Attends, c'est quoi la touche? Attendez, il y a un problème. Ça m'a pas dit la touche avec ma... Esquive, cheval, bâton, chronomètre, sauter, flotter, glaivoir, palin, déplacer, caméra. Bah... Changer d'arme à distance. Bah non. Comment j'utilise l'ombrelle? Celui en gros faut l'attaquer, mais j'ai besoin de l'ombrelle. On peut lui faire avec les bombes, mais même ça. Derrière de cam. Non, moi je vois derrière ma cam, mais y a pas. Non, what the fuck? Pourquoi je peux pas utiliser l'ombrelle? Non, mais c'est pas derrière ma cam, c'est sûr. Je vois, moi y a pas, vous inquiétez pas. Je vois tout là, pour le coup. C'est pas comme quand on est sur console. Concentration, rétrécir, orienter. Appuyer hystérie, changer d'arme à distance. Sauter, flotter, chronobombe, cheval, bâton, esquive, arme à distance. C'est chelou un peu. Parce qu'il m'a dit appuie sur. Il faut viser l'ennemi et ensuite appuie sur A, je crois. Ah! Merci beaucoup! C'est bon. En fait, vu que ça me l'a dit avec la touche du clavier, en fait, ça me dit. Quand j'ai le tuto de l'arme, ça me le dit avec la touche du clavier et non pas avec les touches des. Donc c'est un peu un problème. Mais c'est vrai que le gameplay en plus est pas. Concentre-toi! Et pas non plus des masses compliquées, tu vois, c'est t'as une touche pour une arme, quoi, globalement. Mais, Ah, là, on l'a eu. Ouh, on a eu chaud. On a eu chaud. Alors, j'ai le choix. Soit on va chauffage et pression. Soit on va... Non, je dis de la merde, en fait. Ah si, soit on va à filtrage des arômes. Sachant que ça, c'est pour beaucoup plus tard. On va où d'abord? Je sais jamais. Bon, allez, go. On va aller là. Je sais plus s'il y a un ordre. Mais non, le retour du meilleur jeu. Je peux y aller là?
Ok, ça. Je perds tout ça. Et donc, on va pouvoir aller ici. Ah, il y a un groin, je crois. Oui, il y a peut-être un groin. Je l'ai pas vu. C'est pas grave, on pourra revenir, de toute façon. Ça, c'est un hub dans lequel on peut revenir, donc c'est pas gênant, en vrai. Chauffage et pression. Nous y voilà. Ça, encore une fois, si on loupe des trucs, ça fait chier, mais en vrai, c'est pas grave. L'étendue de cette désolation n'est connue que de ceux qui en souffrent. Au niveau du truc à activer avec le moulin à poivre. Après, voilà, si jamais on veut faire le jeu à 100%, au pire, on reviendra, mais... du coup, là, pareil, il dit... okay. C'est lugubre comme jeu, en fait. Ah, bien sûr. Bien évidemment. Ah. Oh putain, je fais n'importe quoi. Attendez. Ah, c'est bon, on a le bon rythme. C'est bon. J'ai galéré. Des trucs. Ah, l'autre qui hurle. Par contre, c'est normal qu'on l'ait entendu depuis l'extérieur, lui. L'industrie vit de nos souffrances, avidité et lassitude, Alice. Voyez ce qu'elle a fait de ce quartier. Vous devriez vivre à la ferme. En Australie, peut-être. Ah oui, en Australie, tant qu'à faire. Vous devriez céder ce qu'il reste de votre héritage. Il me bute. Je peux aller là ou pas? Ah, je peux pas aller là. Ouh. On s'est sauvé. Quelque chose ici? Ouais, ok. Oh god, je me rappelle, il va falloir le battre. Ah non, c'est après. Je sais plus. Oui, c'est un haut-parleur, ouais, donc c'est normal. C'est pas tout de suite, mais il va falloir... Hop. Alors, attends, on va venir là. Et oui, c'est dans ce genre d'endroit où, en fait, ils peuvent nous prendre à revers. Parce que là, par exemple, il va falloir aller vite. Pour aller sur le trou de serrure. C'est vrai, je vois rien. Ok. Et c'est dans ce genre de moment où en fait je peux rater des choses. C'est terrible parce que là on arrive sur la partie du jeu où je sais que je rate des choses. C'est frustrant. Là faut passer. Oh là en bas là. Comment j'y vais? Hop là. Ok. J'ai découvert avec ce let's play. Vous avez vu le nombre de messages comme ça qu'on a lu aujourd'hui? C'est devenu un de mes jeux préférés que de souvenirs. Il est incroyable. Petite bouteille. On en est où dans les collectables un peu là? 8 sur 14, 18, 26, 11, 18. Bon. Ça va, ça avance. Je pense qu'on fera un bon 80% des collectables à mon avis, je pense. On en loupera quelques-uns, mais... Ça devrait quand même être pas trop mal. Pour une reprise, pas dégueu. Ok, récupère ici. Il me semble qu'après on peut revenir dans les différents... Le prochain épisode c'est demain à la même heure. Ouais, j'aimerais bien lancer un peu avant, à 15h normalement. Mais bon, comme d'hab, si jamais j'ai un empêchement, ce sera plus vers 16-17, ouais. Merde, j'ai fait de la merde. Attendez.
Ah ! J'ai fait doublement de la merde. Ah oui, d'accord, ça m'a remis au début. Alors. Vas-y, go. Let's go. Non, je suis bloqué. Et donc là, on avance. Et donc là. Ok, ça passe. Bien sûr, il y aura une rediff. Bien sûr, les rediffs arrivent très bientôt sur la chaîne secondaire. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez, mais on en parlait. On va peut-être créer un truc, c'est... En fait, vu que certains n'ont pas forcément le réflexe d'aller voir la chaîne secondaire, on se disait avec l'équipe, pourquoi ne pas créer des playlists sur la chaîne principale, d'accord? Mais, donc en fait, quand vous avez les vidéos de la chaîne principale, et en dessous, vous avez les playlists, sauf qu'en fait, les playlists renvoient vers les séries de la chaîne secondaire. Comme ça, ça permettra de faire découvrir à ceux de la chaîne principale qui n'ont pas le réflexe d'aller sur la chaîne secondaire, de les voir, en fait. Vous voyez? En fait, ils auront juste à cliquer sur la vidéo et voilà quoi. Je pense que ça peut être pas mal. Je pense que ça peut être pas trop mal. Bon, même si en ce moment il y a beaucoup de séries, donc bon. Il y aurait beaucoup de playlists. Mais bon. Ouh, j'ai failli me faire écraser. Et donc là, c'est le moment où il va y avoir un cochon. Et je vais le rater. Ouh, le lag. C'est le chargement, c'est normal. Et du coup là, si j'ai loupé un truc, je pleure. Voilà. C'est une bonne idée, pratique. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Go, vite. Hop. Voilà. Mes souvenirs, t'as rien loupé. Ah ouais. Quand même. Bon, on verra, mais... Tellement d'endroits, des fois, un peu salaud où c'est planqué que je me dis... Ok, il y a des monstres. Hop. On a récupéré tout ça. Amnésia machine for freeze. Oh non! Ah non, non, c'est bon. Ah non, j'ai envie de me détendre. J'ai fait ce jeu pour me détendre. Encore plus après Five Nights qui m'a tendu, tu vois. Je fais ce jeu pour me détendre. Attends. Attendez, parce qu'il y a sûrement un truc. Et les groins, ça fait un moment qu'on n'en voit plus, hein. What? Oh, je sais pourquoi. J'ai mis la bombe trop tard en fait. T'as bien fouillé, ouais. Voilà. Oh! J'ai été pris dans le... Ok. Continue. En fait, il y a des murs secrets, des petits trucs, je suis sûr, j'ai... Oh là là. Oh là 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 là. On va se faire écraser la gueule, je le sens. On va le mettre là. On est plus safe ici. Wow. Ok. Non. Ok, y a elle. Derrière, je crois que t'as raté là. Ah bon, il y en a un. Attendez, on va voir. Moi, je viens de là. Qu'est-ce que j'aurais raté ici?
Ouais, je sais pas. Ou alors c'était encore avant. Bon, c'est pas grave, on verra bien. Avançons. C'est stylé. Du coup. Oh ! Oh là 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 ! Lui, par contre. Certains insectes mangent leurs petits, Alice. Nous avons beaucoup à apprendre. De leur vie ou de leur mort. Ou de leur mort. Oh, et là, je crois qu'on arrive